Le village d'Anso Amadiro se trouve dans une zone éloignée où l'accès à l'eau et à l'électricité est difficile. Cependant, malgré ces difficultés, l'école des Saphirs a vu le jour en 2008 grâce à la collaboration de l'association Eau de Coco et de l'ONG Bel Avenir. Cette école a pour objectif de scolariser les enfants travaillant dans les mines de pierres précieuses qui sont la principale source de richesse de la région. L'école des Saphirs accueille cette année 730 élèves allant de la maternelle jusqu'en première. Et chaque élève bénéficie d'un repas quotidien tous les midis. Une collaboration entre Bel Avenir et l'ONG ADS a permis d'installer des cuisines institutionnelles qui consomment 80% de bois, de chauffe, en moins, pour la préparation des repas de 730 élèves. Cela réduit l'impact environnemental, crée des emplois locaux et améliore la qualité de vie des communautés locales. L'énergie renouvelable réduit la dépendance aux énergies fossiles et diminue les émissions de gaz à effet de serre. Des panneaux solaires ont été installés pour répondre aux besoins énergétiques de l'établissement et sensibiliser les élèves à l'utilisation des énergies renouvelables et à la protection de l'environnement. Et puisque là nous sommes à la campagne maintenant, on ne peut jamais avoir de l'énergie sans l'énergie solaire. On a aussi installé récemment une éolienne pour pomper de l'eau et garantir l'accès à l'eau potable aux élèves, même lorsqu'il fait sombre ou nuageux. Cela encourage les élèves à se sensibiliser davantage à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources naturelles et montre l'exemple en matière d'utilisation des énergies renouvelables et de développement durable. L'école des Saphirs utilise des énergies renouvelables via les panneaux solaires et une éolienne pour être plus autonome et écologique.